Et comme disait Michel Louvain... Et c'est pour ça qu'on va jouer. Ah, chante-la ta chanson, ouais! Quelle chanson vous chantez si vous rencontrez quelqu'un? Comme par exemple, si vous rencontrez Jean Charest, pourriez lui chanter « Tu es un gars ben ordinaire, c'est pour ça que tu sais rien faire. » Hein? Oh, yeah! Quelle chanson vous chantez si vous rencontrez Alain Vigneault? Les Canadiens sont poches. C'est ça, Vigneault. Ah oui. Ouais. Quelle chanson vous chantez si vous rencontrez Alain Vigneault? Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour tuer l'ennui au lieu de voir tous les soirs le Canadien perdre la partie? T'étais pas chanteur avec une barbe avant. What? Jusque-là. Puis ici. Quelle chanson chanterait Alain Vigneault? C'est obligé? Ouais. Okay. Si j'avais une star, ça changerait ma vie. Je serais peut-être sur le bord de faire les séries. Hein? Quand même. T'as jamais été chanteur, toi? Non, jamais. J'ai jamais eu de barbe non plus, ni de cheveux. Quelle chanson chanterait à Véronique Cloutier? Ah. Un, deux, trois, quatre. Ta paire de glands de ma mère peut nourrir trois enfants. C'est bon, hein? OK, quelle chanson peut chanter à Véronique Cloutier? Elle donnait des coups de coude au lieu de danser. Son nom, c'était Véro Cloutier. Yeah! Yes, sir. Quelle chanson pourrait chanter à Véronique Cloutier? Linda, le temps passe vite. Linda, occupe-toi de ta petite. Quelle chanson on pourrait chanter à Claude Dubois? J'aurais voulu être pharmacien! Pour avoir des pins nuls pour rien! OK, quelle chanson on pourrait chanter à Claude Dubois? Fafa, le lili, d'où tu couches avec Louise Marlowe? Quelle chanson? On pourrait chanter à Claude Dubois. Attention. Ouais. L'étiqueur, 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 puis ton pacemaker. Hein, c'est... OK, on passe au vote. Qui a été le meilleur? Le piment avant François Léveillé, mesdames et messieurs, rappelez-nous.